Dans l'épisode précédent... Team Titiro ! La ville ! Qu'est-ce qui se passe ? Je vous jure, j'étais pas en arrière. Hein. Je vous jure, j'étais pas en arrière. We're friends. Et là, il y a un bruit, là. Et là, il y a un bruit. Mais je capte pas, ils disent que j'ai triché. Regarde-les ! Ils sont là en train de blablater, j'ai les Philippines une heure. Yo tout le monde, je vous dis la vérité, c'est l'épisode que j'attends le plus depuis le début. L'épreuve, elle est incroyable. Après la raclée qu'on a reçue à la maison, l'équipe romande arrive aujourd'hui en terre hostile, la Suisse allemande. Mais avant de s'occuper des autres équipes, Catherine, Nida, Jamie et Géo ont décidé de régler leur compte entre eux. Qui est la personne la plus mauvaise perdante perdant ? C'est pas qu'on est mauvais perdant, c'est juste que on n'aime pas perdre. Là par contre, si on est faux là, faut me dire maintenant. Je prie qu'ils ont tous loupé. C'est à cause de la ragoute. Si les autres gagnent, ils vont être tellement fiers de nous avoir battus, nous. J'ai du mal à digérer là. Je suis dégoûté. On n'est pas déçus. Ouais. Ça va. Je vous jure, j'étais pas en arrière. Il avait pas compris, tu vois ce que je veux dire. Mais je capte pas, ils disent que j'ai triché. Qui est la personne la plus mauvaise en chant ? 1, 2, 2, 3. Eh, vous m'avez pas entendu. Ah non, j'avoue. Ok, qui est la personne la plus beauf ? 1, 2, 3. L'équipe se met en route pour la prochaine épreuve. Personne ne sait ce qui l'attend, mais tout le monde commence un peu à paniquer. Je comprends pas pourquoi on nous matrix à nous dire qu'il va faire froid dehors. Hein ? Ouais, ouais, ouais. Hein ? On vous a dit quoi comme info ? On vous a posé des questions bizarres, genre est-ce que de quoi vous avez peur ? Mais moi je suis stressé de fou. Hein. N'oubliez pas qu'ils ont un bras en moins. Pourquoi un bras en moins ? Comment ils peuvent faire l'épreuve sans bras ? Sans leurs bras forts ? Non, sans leurs bras. Bon, c'est pas ce qu'on va faire. Hein. Justement, il n'y a que de l'escalade en vrai, les gars, c'est le vertige. J'embrasse le totem avant de sortir. And have very much fun, yeah, okay? Me too. I have fun with left hand today. Oh yeah, right. I forgot that. Have fun. Je peux donner ça au Tessinois? Trois coffres. Je vais leur donner ça. Hey Tessino, I have a gift for you to give you luck today. SpongeBob. Oh yeah. SpongeBob, but this one have to give you luck, okay? Yes. Fuck off. Fuck off, but you say. J'apprécie le trash talk direct. Quand j'ai entendu ce que t'avais fait, je me suis dit oui. C'est la première fois que vous me faites stresser en une semaine. Le présentateur, il ressemble à Joyka. Depuis quand Joyka, il est suisse-allemand? Hallo zusammen. Herzlich willkommen in der Deutschschweiz. Freut mich sehr, euch alle hier zu sehen. Ganz am Anfang, es gäbe glaub, nichts, was mich mehr anschiessen würde, als die Challenge, die ihr jetzt hier machen dürft. Eh ouais, les amis, l'épreuve d'aujourd'hui, elle n'est pas faite pour tout le monde. Une personne par équipe va devoir sauter à l'élastique du haut d'une télécabine située à 140 mètres de hauteur. Cette personne devra lancer une balle sur une cible géante posée sur le lac pour tenter de gagner un maximum de points. Et je précise que la personne ne sautera pas une, ni deux, mais trois fois de suite. Et évidemment, sinon c'est trop facile, c'est une équipe adverse qui va choisir la personne qui saute. Dites-moi la vérité en commentaire. Vous, vous l'auriez fait cette épreuve ? Team Deutschschweiz, wer habt ihr ausgewählt ? Wir wählen Eva. Team Romansch, wer habt ihr für das Team Deutschschweiz? Mira. Meine Güte. Team Romandie, wer könnt ihr auswählen für das Team Ticino? Elisabeth. I hate you. Ciao ragazzi, sono Elisabeth, ho 23 anni, sono una persona solare, un pochino permalosa, competitiva, generosa, molto determinata, tengo quello che voglio mettendoci sempre il massimo della determinazione. Ragazzi, state attenti perché ci dovrete temere. Team Ticino, wer wählt derus? Jamie. Yes. Stuf. Okay, thank you. Ja, in dem Fall, es haben ja alle Freude. Ich wünsche euch ganz viel Spass. Machen wir das doch. Yeah! Lass ihn doch kurz.
Je suis trop contente que tu passes de ouf, genre. Putain, mec, c'était mon rêve, mec. J'ai presque envie d'aller leur dire merci. Est-ce qu'on les suit? On va leur dire merci. Thank you very much. This was my dream. Really? I swear to God. Thank you very much. Parla, parla. Quando quelli, esatto, canca abbaia non morde. Devi farlo sborone perché in realtà si sta... Si sta cagando in mano, ma lo capisco, raga. Ich habe überhaupt keinen Bock. Nein, wirklich gar nicht. Ok, c'est parti. Les quatre personnes qui ont été choisies pour sauter sont en train de monter avec la télécabine pendant que les autres restent à terre pour les supporter. Jamie avait très envie de le faire et ça tombe bien, c'est lui qui commence. Là, le stress monte. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. C'est méga impressionnant là. Je sais pas vous les amis, mais je suis méga stressé de voir Jamie sauter. J'espère qu'il va tout déchirer. Tout a su se remonter derrière toi là. L'adrénaline qui monte. Oula, direct comme ça. Ah ouais, la vie de ta mère, frère. Ça y est. Oh putain. Accroche-moi ça bien, s'il te plaît, relou. Allez, on vise le milieu. Pense aux fléchettes, pense à marquer ton score là. Check. Jamie, t'as ouvert ta bouche. Maintenant, va falloir assumer. Ready? Ok. 3, 2, 1, go! Ah! Ah! Voilà, c'est trop chaud à viser! Mais c'est incroyable! Et en plus de kiffer le frérot, il a marqué un point. Ah, ah, putain! Hey, mira, look at us. We're clear. You're okay. Look here, okay? Look here. How nice is it? Isn't it? Oh my god, guys! Jamie, apparemment c'était trop tôt! Essaye de viser le centre! Oublie pas, Plonewa te regarde! Check? Ok. Allez, c'est parti pour le deuxième saut. 3, 2, 1, go! Ah, allez! Mais c'est ta merde, frère! Coran, frère! Ah. Et un autre point en plus pour les romans. Ok, ça c'est deux! Allez, il reste plus qu'un lancer pour la team. Ah. Ouh. Ouh. Jamie, imagine que le lac c'est de l'alcool. C'est des badins. Check. Ok. 3, 2, 1, go. Mais non. Dans l'eau. Complètement dans l'eau. Tout à côté. Droite. T'as assuré 2 points. 2. Jamais ils mettront les autres. L'équipe romande a un total de 2 points. C'est pas énorme, donc il n'y a plus qu'à prier pour que les autres fassent pire. En tout cas, il y en a un qui a bien kiffé son épreuve. Putain, merci! Merci la prod! Par contre, vous avez niqué mon survêt! Vous allez prendre cher? It's okay. The first one is a little bit scary, but then it's okay. You guys can do it. I swear to God. It's just the beginning that is hard. Maintenant, c'est au tour d'Eva de faire son premier saut. Et n'oubliez pas qu'à cause de la roue de la chance, elle doit lancer avec son bras faible. Comme si l'épreuve n'était pas assez dure. Oh my God! Bartschel, bitte. Nein, nein, gehen wir ja. Ha, ha, ha. 3, 2, 1. Ah! Oh, c'est dans l'eau. Bravo, Eva! Bravo, Eva! C'est bien, t'as sauté. Je crois que tu l'as pas mise, mais merci. C'est attention, dommage, maintenant qu'elle a capté qu'elle a pas peur de sauter, le prochain ça peut être autre chose. Parce qu'elle visait bien à part ça. Ah, fuck. 3, 2, 1, go! Fuck! Oh! J'espère qu'elle a pas mis de points. Toujours 0 point pour les romanches. Mais par contre, Eva s'est découvert une passion pour le saut à l'élastique. Just seriously, it's the 0.5 seconds. And I said it's the start. It's like, and we're like, ah. C'est la dernière chance pour Eva de marquer au moins un point. 3, 2, 1, go! No! No, fuck! Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a raté de ça la cible. Oh putain. Woo!
Au moins, tac, elle a vaincu ses peurs. Je suis content pour elle. Vraiment, je suis trop content pour elle. Le Schweizer Romanche ist la meldre Legende la Schweizer, nicht nur perché no la più bella lingua, denn per se eher perché no vain simplement la più diverse cultura e bunnes belles chares persones. Mein Name ist Eva, ich bin 27 Jahre alt, ich bin in der Süden Valmistein. Hi, no vain WLAN, hi, no vain Televisions, Hinterwäldlers quasi, ich bin ein Romanisch, mit dem Tanken, nicht simplement nicht weiter. Ich bin eine Person viel extrovertierter, aber ich bin simplement viel emotionaler. Am meisten sei der Dumonder, der ich war, mein ist Wetter. Maintenant, on met Mirabella en confiance. Let's go, my G, let's go! C'est au tour de Mira, la capitaine suisse allemande. Mais pour elle, ça a l'air un peu compliqué. This is for Deutschland. Schweizer Deutsch. Mira, Mira! Mira, Mira! Mira, Mira! Mira, Mira! Mira, Mira! Alles gut, du musst nicht gehen, wenn du nicht willst. It's fine, you're right here, you're sitting up with us, okay? Alles gut. Elle a décidé qu'elle va pas sauter. Ils l'applaudissent quand même, c'est mignon en vrai. Geil, Sieg, scheißegal! Mira, bravo quand même. Je me suis beaucoup aimé que toi, mais je sais que c'est pas évident. Oh, il y a de la brume! Purée, ça se joue avec les Tessinois. Les Tessinois. Là, on a notre troisième place. Les Tessinois! Allez, les Tessinois, c'est à vous là. Eli, Eli, siamo la tua squadra! Eli, Eli, ti vogliamo bene! No, 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 no. To say, tuck it in jump. Don't look down, look straight. Come, with the leg out. No, no, no. No, 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 no. You ready to go? No. No. Okay, back. All good. Stay straight. You okay? Back. You were so close. Am I allowed to jump again? Elisabeth a abandonné, elle n'ose pas sauter, celle qu'on a choisie. Les Tessinois sont passés derrière nous en nous disant « Oh, mais Elisabeth, elle a sauté 4000 fois !» Mensonge. Mensonge parce qu'elle a abandonné encore plus vite que Mira. Ah, c'est pas beau de mentir. Bien fait. Bon, doucement Géo, parce que c'était quand même l'épreuve la plus dure de Fight for Flags et la plus chargée en émotions. Tu veux juste être pour le boss of life? Mais bon, malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est la première victoire pour l'équipe suisse romande et cette fois, elle est méritée. Meilleur moment de ma vie, mec. Je suis désolé, vraiment, les gars. Vraiment, c'était trop lourd, là. Mais je sais. Elle a envoyé, mec. Voilà, merci mille fois, frère. Et je sais pas qu'est-ce qu'il leur a pris à ce narvalo de me mettre moi. Mec, ils m'ont réalisé un rêve. La stratégie, elle était claire. Déjà, on ne devait pas leur laisser de cadeaux vu ce qu'ils nous ont fait à l'épreuve d'avant. Donc, on a décidé de choisir la plus faible selon nous. Secondo me, Jamie parle tanto. Poi, alla fine, comunque, gli piace stare coi piedi per terra. Quindi, secondo me, aveva anche lui tanta paura dell'altezza. Però, alla fine, si è divertito. Abbiamo fatto anche un bel regalo a lui. Lui lo voleva fare da sempre. Buon per lui e buon per tutti, dai, va bene così. Moi je pensais pas du tout qu'Elisabeth allait être dans tous ses états, qu'elle allait pleurer, etc. Donc il y a mauvaise conscience, non, pas du tout. Je vois pas, on est quand même dans une compétition. On arrive gentiment à la fin, vers la finale. S'il faut smash des gens, on va les smash, hein, y a aucun problème. En toute amitié. On
Und ja, wir kommen jetzt schon zu den Punkten. Team Romandie hat gewonnen in dieser Disziplin und bekommen 4 Punkte. Gratulation. Und alle anderen Teams bekommen 0 Punkte. Avec ses 4 points supplémentaires, l'équipe Romande est première du classement avec 14 points. Et bonne nouvelle, pas de roue de la chance cette semaine parce que la prochaine épreuve, c'est la finale. Et tout ce que je peux vous dire les amis, c'est que malgré le classement, toutes les équipes auront leur chance de gagner. Tchuss Livio. Très belle journée, voilà, j'ai le soutien de l'équipe. On a réussi à marquer et à avoir la première place, donc on a une bonne avance. Là, la victoire, on peut sceller le truc. On sait qu'on le mérite. Oui. Oh oui. 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 C'était notre première vraie victoire, mais une première vraie victoire écrasante. C'est le moment de confirmer notre force et de confirmer qu'on mérite ce titre de meilleure région de Suisse. Les amis, je compte sur vous pour cette finale. Bombardez-moi cet espace commentaire et montrez-nous que les francophones sont les plus chauds.